numéro que vous faites? Il s'appellera l'insurpassable, parce que ce sera le meilleur que j'ai forgé. Si c'est le meilleur de tous, celui qu'il possédera sera imbattable? Il ne faut pas exagérer. Si un débutant se sert de cette arme, il aura un petit avantage. Mais si un bon combattant la manie, il se battra comme un maître. Tout dépend de celui qui l'utilisera et à quelle fin. Tu sais, Nuage, un homme honnête n'a aucune raison de se battre.追逐风也好，地追逐天也好，忘掉你，忘掉我，没有低，怎么会有高？独来独回到如生，命运有聚有别有人恨，没有风，碰着云，谁又知风声近？ 爱若来自怨恨，要也得讲缘分。云下雨，风里走，寻觅我，方懂人未老，爱已老，离别却太早。 Notre maître, le Dominateur, aura en fait permis au clan de l'univers de rayonner sur toute la région, grâce à sa puissance et sa ténacité. Je crois que tu es plutôt en train de faire ton propre éloge, Bodhisattva d'Argile. Et c'est grâce à tes actes héroïques que nous avons pu accéder à toute cette prospérité, tu as oublié? J'espère qu'il ne l'a pas oublié. Toi, tu es son bouffon favori, tu as une place privilégiée au palais. Et j'ai remarqué que tu avais une grande influence sur le Dominateur. C'est une fonction très risquée quand on le connaît. Tu es libre, toi, alors que moi, je dois toujours faire des courbettes. Dépêchons-nous, notre Seigneur nous attend. Humbles hommages, vénérés Seigneur. Recevez mes hommages, Seigneur. Merci d'être venu. Tu me connais depuis un certain temps. J'aimerais te poser une question. Est-ce que j'aurais une chance si je devais affronter le grand sabre preux en duel? Votre maîtrise parfaite du combat n'a pour l'instant jamais été égalée. Que ce soit l'homme sans nom ou bien ce grand vantard de sabre preux, vous n'avez pas à vous inquiéter. Personne ici-bas ne possède les talents que vous avez en vous. Serais-tu devenu aussi flatteur et hypocrite que mon fidèle Jester? Oh, mais non, monseigneur. Bodhisattva n'a rien d'un faux jeton. Tout ce que je souhaite, c'est de pouvoir arriver à vaincre ce sabre preux. Je pourrais alors devenir le maître incontesté de tout le pays. Je suis désolé, mais vous n'allez pas pouvoir réaliser votre rêve. Vous allez devoir patienter une décennie. Ce combat contre Sabre Preux ne peut avoir lieu avant. Pourquoi attendre? Parce que ce n'est pas l'heure de votre victoire. Tenez, Seigneur, c'est un présent pour vous. Qu'est-ce que c'est? La puissance de la nature a toujours été indomptable.
Quand le vent rencontrera les nuages, ils s'uniront pour engendrer le chaos. Vous trouverez là-dedans vos prochains combattants. Vous allez devoir les affronter quand ils seront en âge de se battre. Ces enfants portent des noms symboliques. L'un d'eux est Vent d'Est, et l'autre est Nuage. Nuage, Vent d'Est. Le vent ne peut pas se contrôler, mais sa force peut tout détruire sur son passage. Les nuages viennent et repartent au gré du vent, sans qu'on puisse les arrêter. Quand vous aurez pu vaincre ces deux éléments de la nature, alors vous pourrez dominer la Terre tout entière. Vous bâtirez le plus vaste des empires, si telle est votre destinée. Que se passera-t-il si je les retrouve ? Dans un premier temps, la légende dit que le maître de ces deux éléments devient invincible. Et après, que va-t-il m'arriver ? Si vous voulez le savoir, il vous faut tout d'abord les trouver. Jester ! Je suis là. Que voulez-vous, monseigneur ? Tu vas tout de suite réunir ma garde impériale. Vous allez partir à la recherche de Vent d'Est et de Nuages. Bien, Seigneur. Cette boîte ronde a été fabriquée par des moines de la Perse antique. Elle aurait, d'après eux, des pouvoirs surnaturels. C'est une cassette magique, en fait. Ah ! Si quelqu'un trouve la bonne combinaison, cette boîte nous livrera tous ses secrets. Comme vous êtes très intelligent, Seigneur, vous allez pouvoir la déchiffrer, et alors ? Une fois que vous aurez découvert la combinaison, la boîte s'ouvrira et nous livrera tous ses secrets. Je pourrai lui poser tout un tas de questions sur votre avenir une fois que vous aurez réuni le vent et les nuages, et elle me répondra. Cette boîte vous permettra de changer le cours de votre destinée. Puisque vous allez pouvoir connaître votre avenir, vous pourrez facilement influer sur celui-ci. Mais vous ne devez surtout pas essayer de l'ouvrir en employant la force ou un stratagème autre que la réflexion. Ou bien elle disparaîtra en fumée, et il nous serait impossible alors de savoir ce que l'avenir vous réserve. Bien alors. Je te préviendrai dès que je serai arrivé à ouvrir cette boîte. Soyez, vous tous, soyez! Tous les enfants de sexe masculin qui sont nés à la date indiquée deviendront des disciples du clan du Dominateur. Maître! Maître! Il recrute les enfants nés le même jour que votre fils. Ils ne doivent surtout pas apprendre son existence. Tu n'en parles à personne. D'accord. Nuage, viens là. Dépêche-toi. Récite-moi le dicton du cœur de glace. Mais tu sais bien que je le connais par cœur, papa. Quand le genou de Bouddha se mouillera, la grotte des nuages brûlera. Tu vois que je connais ce dicton, mais ça veut dire quoi ? Il arrive que le niveau du fleuve monte. Et il existe une légende qui dit que si le niveau monte jusqu'au genou de la statue, un grand feu embrasera toute la vallée. Mais alors, du coup, tout le village sera aussi détruit ? Tu sais que tu es lourd, Vent d'Est. Je t'ai assez porté, tu vas descendre. Non, encore un peu, allez. J'aime bien être sur tes épaules. Dis-moi, papa, on devrait bientôt la revoir, maman, hein ? Et comment tu sais ça, toi ? Tu m'as dit qu'elle reviendrait pour mes 10 ans, et ben, je les ai. Écoute, Vent d'Est. Tu sais
assez bien que je t'ai demandé de ne plus en parler. Tu apprendras plus tard que les femmes peuvent te créer de gros ennuis. C'est inutile d'insister, Dominateur. Voilà des années que je me suis retiré du monde. Laisse-moi tranquille, je ne veux pas me battre. Désolé, je n'ai pas le choix. J'ai voué ma vie à une quête sans fin. J'aimerais posséder les 10 meilleurs sabres qui existent sur Terre. Et toi, tu as l'un d'eux, le sabre de glace. Tu ne l'auras jamais, j'ai été l'enfouir dans la montagne. Mais si tu me provoques en duel, je choisis comme arme le bambou. Yeah ! Je te propose un marché. Si je gagne, j'aurai le choix entre ta femme et le sabre. Mais si je perds ce combat, mon sabre de feu t'appartiendra à jamais. Tu n'auras ni l'un ni l'autre, pauvre imbécile. Alors, prince des vents, tu as perdu la première manche, mais je reviendrai. Dans 200 jours pour jour, ça te laisse bien assez de temps pour retrouver ton sabre de glace. Mais en attendant, j'emmène ta femme. 200, rappelle-toi. Tu vas m'attendre ici. Dis, papa, tu vas chercher maman, c'est ça? Je vois que tu as le sabre de glace. Tu es venu seul. Regarde. Ça va? Bien sûr. Ça n'a pas été trop pénible? Non, pas du tout. Tu n'as pas encore compris, prince des vents. Ton adorable épouse n'a pas été malheureuse durant ces 2 ans. Elle pouvait repartir si elle en avait envie, mais elle a préféré rester avec moi. Yin, c'est vrai? Eh bien oui, c'est la vérité. Quand tu as voulu te retirer du monde, je t'ai suivi, mais à contre-cœur. Et je me suis ennuyée à mourir. Alors que dans son palais, j'ai été traitée comme une véritable reine. J'ai toujours voulu vivre avec un homme puissant, et non avec un ermite dans une grotte. Maintenant, je comprends pourquoi. En enlevant ta femme, je savais que j'aurais ce sabre. Si tu voulais la récupérer, il te fallait aller le déterrer, ce que tu as fait. Et maintenant, tu vas m'apprendre à me servir de cette belle arme. Je vais te dire un secret. Je t'ai joué la comédie pendant ces 2 années. Je me suis servi de toi afin d'avoir le sabre de ton mari. Dominateur, je vais te tuer!
savais comme tu m'as manqué. Je voudrais te demander une faveur avant de me battre. Est-ce que tu acceptes ? Une faveur ? Ça dépend laquelle. Dans ce combat, l'un de nous deux va mourir. J'ai un fils, Vandest. Si je meurs, je te demande de l'épargner. D'accord, je te l'accorde. Abandonner ton père et toi. Adieu. Maman ! Maman ! Surpassable, et ton fils, ils vous épargneront tout ce qui reste de tes disciples. Je préfère encore mourir. Et tous les massacrer, la trouver moi-même. Jamais vous ne mettrez la main dessus. Seul mon fils sait où je l'ai mis et il est loin d'ici. Jamais vous ne l'aurez. Enfant. Tu crois que c'est son fils? Ça m'étonnerait. Il a pas bougé quand on l'a tué. Emmène ce gosse et récupère tous les sables que tu trouves. D'accord. Ça suffit! T'as de la chance, tu sais. Si mon père t'avait pas trouvé dans la forêt, bah tu te serais fait dévorer par les vilains loups. Mon père t'a ramené chez lui au clan de l'univers. Moi, je suis Xiao Tse, et lui, c'est mon frère Givre. Ça fait déjà 2 jours que tu délires. Je pense que tu dois avoir faim. Un peu de thé te fera du bien. Tu vas te brûler si tu bois trop vite. Le vénéré et puissant seigneur fera de notre clan un royaume qui sera maître du ciel et de la terre. Le vénéré et puissant seigneur fera de notre clan un... Silence ! Depuis sa création,
Notre petite communauté est devenue prospère. Nous dominons la plupart des arts martiaux. Il est temps maintenant que je vous présente mon successeur. Jean Le Givre, ainsi que deux de mes futurs disciples, Nuage et Vent d'Est. Quand ils seront grands, ils pourront assurer la pérennité de notre royaume. Tous les trois réunis, ils domineront la Terre. Que les puissances de la Terre nous protègent tous! Je dois repousser notre duel. Je vous donne rendez-vous dans une décennie. Bodhisattva avait bien raison. Sa prophétie s'est donc réalisée. Dix ans après. Si tu es venu me défier. Non, Maître Nuage, je ne me serais jamais permis de faire ça. Alors évite de me surprendre la prochaine fois. Qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai un message pour vous. C'est mon maître qui m'envoie. Il voudrait vous voir, vous et Vent d'Est. Apporte à sa fille ses pierres de couleur. Bien, maître. Ce lieu est formellement interdit, petite sœur. On ne peut pas entrer. Cet endroit est interdit pour ses sujets. Je suis sa fille, c'est différent. Il a raison, je pense. Ce lieu est un peu spécial. On l'appelle le cimetière des sabres. C'est peut-être dangereux. Je sais. Et c'est pourquoi je vous ai dit de venir. Mais si vous avez peur, j'irai toute seule, c'est pas grave. Attends. Vas-y avec Vent d'Est. Moi, je monte la garde. D'accord, surveille l'entrée. Allez, viens, on y va. Les femmes créent toujours des ennuis. Oh, ce sont des feux magiques. Non, pas du tout, ce sont juste des vers luisants. Il faut que j'en attrape quelques-uns. Oh, oh. Aidé de Vent d'Est et de Nuage, a grandi son territoire de jour en jour. Personne n'est de taille à leur résister, sauf peut-être un seul homme,
que l'on appelle Sabre Preux. Bodhisattva m'a offert ces deux vasques lors de son dernier passage. Grâce à certaines incantations qui se trouvent dans cette cassette persane, il m'a assuré que je pourrais tout savoir en ce qui concerne ma destinée. Pour cela, je devais trouver la formule magique qui permet de l'ouvrir, mais je ne suis toujours pas parvenu à l'ouvrir. Cela fait 10 ans que j'essaie en vain. J'ai fait appel à tous les maîtres et magiciens que je connaissais, mais sans résultat, personne n'arrive à l'ouvrir. Et Bodhisattva a disparu, bien sûr. Alors tous les deux, écoutez-moi. Je ne peux plus supporter une situation pareille. Je vous demande un service. Je veux que vous me retrouviez Bodhisattva au plus vite. J'ai entendu dire, moi, que des gens l'avaient vu se promener avec un petit singe dans un panier en osier. C'est une piste qui devrait vous aider, non? T'es malin, toi, tu nous accompagnes? Oh non, je ne vous servirai à rien, je ne sais pas me battre. Et je suis bien plus utile dans ce palais à m'occuper de l'intendance, vous savez. C'est du travail d'organiser les plaisirs du maître. Ça suffit! Oui, maître. Vandest, c'est une mission vraiment dangereuse que je te confie. Écoute bien ton frère. Ce voyage sera pour vous deux une sorte d'initiation. J'ai compris, Seigneur. Nuage, j'ai aussi une mission délicate pour toi. Je suis à vos ordres. Tugu Yifang de la Cité Sans Égale m'a proposé un marché pour que la guerre cesse entre nous. Il veut s'unir avec moi. Pour gage de sa bonne foi, je lui avais demandé un cadeau, l'épée sans égale. J'aimerais que tu ailles récupérer ce qu'il m'a offert. Je vous la rapporterai, faites-moi confiance. Quand tu seras là-bas, rends-moi un service. Comme il a tardé à m'envoyer son épée, ramène-moi aussi sa tête. Je peux compter sur toi. Bien sûr. Comme tu n'es pas encore un expert, je préfère que tu ne partes pas tout seul. Je t'ai choisi deux de mes hommes pour t'accompagner. Des maîtres dans toutes les sortes de combats. J'ai une requête à vous faire, père. J'aimerais partir avec eux. Quoi, ma petite fille chérie, veut devenir une guerrière? Pourquoi eux ont-ils le droit et moi non? D'accord, à toi de choisir. Ou tu vas chercher Bodhisattva avec eux, ou bien tu pars avec lui. Je ne veux pas massacrer des gens. J'ai choisi, je viens avec vous. On ne part pas pour s'amuser. Mais je le sais très bien, et je ferai tout ce qu'il faut pour être efficace. Ce n'est pas de cette manière qu'on devient une princesse. Tais-toi donc. Ma fille fera ce qu'elle voudra. Vous partirez demain à l'aube. Je vous souhaite bonne chance. Alors? À vos ordres, maître. Xiao Tse, il faut que je te parle. Bien, je reste. Que tu as? Tu t'es promené dans le cimetière des sabres avec Xiao Tse? Oui. Mais n'en parle pas au maître.
Oh, petite Nat, attends-moi. Attrape-moi. Mais je ne peux pas, reviens, je te dis. Je n'ai plus l'âge de courir, arrête. Essaye de partir d'ici. Encerclez-le! Pourquoi veut-il ce petit singe? Pour connaître son avenir? Seul Bodhisattva a le pouvoir de le prédire. Allez plutôt le lui demander. Mon père va avoir 60. Et s'il lui prédisait, par exemple, qu'il n'a que quelques heures à vivre, que pourrait-il faire? C'est idiot! Mon père a un clan très puissant. Personne n'oserait s'attaquer à son empire. Même le clan de l'univers va s'unir à nous. Et une fois que ce sera fait, même vos moines devront se tenir à carreau. Il nous appartient ce singe. Il nous a été volé par ce traître de Bodhisattva. Il doit retourner au temple, c'est là sa place. Si tu veux revoir ton temple, je te conseille de me le donner. D'aide, le moine. Viens, ils vont sûrement se battre. Que votre clan projetait de s'unir avec le clan de l'univers? Comme c'est amusant. Je vous présente Vandest et Gilles. Ridicule. Pourquoi on se battrait entre nous? Ce n'est pas du tout ridicule. Nous n'aimons pas les gens qui sont lâches, et il faut l'être pour s'attaquer à un moine avec toute une armée. Eh bien, si vous voulez la guerre, vous l'aurez. Dis-moi, t'as plutôt fait fort sur ce coup-là. J'ai horreur qu'on s'en prenne aux faibles. Ça lui apprendra. Que Bouddha vous protège, messieurs. Bien, à nous. Si vous êtes vivant, c'est grâce à nous, il me semble. Alors vous pourriez peut-être faire un bon geste. Nous avons besoin de ce singe. Prêtez-le nous un mois et on vous le rendra après. Désolé, ce singe est la propriété du temple de Shaolin. Je ne le donnerai à personne. Que ce soit à vous ou à ses soldats. Je cherche Bodhisattva. Sans cet animal, comment faire? Je ne le retrouverai jamais. Vous aussi, vous le recherchez. Vous allez me payer cette offense! Tais-toi, l'offensé! Écoutez, je vous demande une dernière fois de nous prêter cette bestiole. Impossible, désolé. Tant pis, vous l'aurez voulu. Vous n'auriez pas dû m'offenser. Battez-vous sans moi. Allez. Arrête. Laissez partir. Pourquoi? Nous recherchons Bodhisattva, pas un singe. C'est cet homme-là, juste à côté de nous, déguisé en grand-père. Allez, reprenez votre apparence. Félicitations. Je vois que vous êtes vraiment très astucieux, jeune homme. On m'avait prévenu que vous aviez le don de la métamorphose. De plus, votre grand calme par rapport à ce qui se passait était plutôt bizarre, non? Et quand votre petite fille a appelé le singe par son nom... J'ai trop dévoilé de secrets aux hommes grâce à ce petit singe. Comme vous le voyez, je suis atteint d'une grave maladie de peau qui est incurable. Seul cet animal pouvait soulager ma souffrance en aspirant le pus de mes abcès. Soyez bon avec moi. Il faut absolument que vous le retrouviez. Faites-nous confiance. Nous allons vous le ramener. Je vous en remercie. Eh bien, alors, allons-y. Le dominateur doit être impatient de me voir. Suivez-nous.
vous devez être satisfait. Tous les notables de votre royaume sont venus vous rendre hommage. Vous êtes un homme comblé, seigneur. Et en plus, pour votre anniversaire, votre fils a eu l'initiative de vous organiser cette magnifique fête en votre honneur, n'est-ce pas? Magnifique! Oh, si! D'ailleurs, je l'attends. Je suis sûr qu'il va me ramener le bodhisattva pour qu'il me dise mon avenir. Alors, pas de son fils. Qu'est-ce qu'on fait, maître? Attendons qu'il fasse nuit. Bien. Qui va là? Excusez-moi de vous déranger. Oh, c'est toi, Nuage, tu es venu me souhaiter un bon anniversaire? Non, je viens prendre votre épée et votre tête. Oh! Vous paierez cher votre famille. Ça sert que je t'ai trouvé. À quoi ça sert, hein? Ce singe n'y est pour rien. Ne le punissez pas. Je vous en prie. Je vous en prie, les moines de Shaolin ont certains pouvoirs. Aidez-moi à retrouver ces assassins. Pour anéantir une grande cité en une seule nuit, il faut être puissant. Je ne vois que le clan de l'univers. Prends soin d'eux, Bouddha. Vendest, à quoi penses-tu? Mon père est mort ici. C'est devant cette grotte que le maître m'a recueilli. Cette grotte a des pouvoirs magiques. Il y pousse un fruit qui aurait certaines propriétés. Il guérirait de nombreuses maladies et accroîtrait la force. L'inconvénient, c'est que personne n'a pu le cueillir. Tous ceux qui sont entrés dans la grotte ne sont jamais ressortis. La légende dit qu'un animal de feu protège son entrée. Je voudrais savoir une chose. Est-ce qu'on vous a dit qui était le meurtrier de votre pauvre père? Pourquoi? Vous le connaissiez? Le maître a dit qu'il était mort en se battant pour me sauver. C'est tout ce qu'il m'a dit. Je voudrais que vous me promettiez une chose. Pour cette petite fille. Bien sûr. Petite Nat a perdu aussi son père et sa mère. À part moi, elle n'a plus personne sur cette terre. Il faudrait que vous lui trouviez une famille pour l'élever. Vous avez peur de ne pouvoir le faire? Pourquoi vous dites ça? Je dis ça car je suis vieux et faible. Et en plus, les voyages sur l'eau ne m'ont jamais vraiment réussi. Je vous en prie. Mon père vient d'être assassiné. Et tous ces gens ont été massacrés. Nous sommes les seuls survivants de la cité. Oh, maître, je vous en prie, aidez-nous. J'ai besoin de vos conseils. Je veux venger la mort de mon père. Maître, je vous en supplie. J'ai besoin de votre aide. S'il vous plaît.
C'est fait. Le chef de ce village va s'en occuper. Elle sera bien ici. Vous êtes très gentil de m'avoir déchargé de ce fardeau. Si tous les gens du clan de l'univers avaient cette grandeur d'âme, la paix régnerait ici. Le Dominateur a un troisième disciple qui s'appelle Nuage. Comment se comporte-t-il ? Eh bien, c'est un homme violent et souvent belliqueux. Mais c'est de loin notre meilleur guerrier pour les arts martiaux. Rien d'étonnant, c'était écrit. Reviens. Grand-père. Grand-père. Calme-toi. Perdra toute son hégémonie quand le vent venu de l'est et les nuages s'uniront. Il y a bientôt 10 ans que tu as quitté ce palais, en me disant que si je pouvais trouver la formule, je saurais mon avenir. Tu es enfin revenu me délivrer la formule magique, mais j'aimerais comprendre en quoi cette histoire de dragon me concerne personnellement. C'est l'union des vents et des nuages qui mettra un terme à votre domination sur ce royaume. Sois plus clair, s'il te plaît. On ne peut échapper à son destin. Je vous avais prédit que pendant une décennie, rien ni personne ne pourrait vous empêcher de régner. Mais le moment est venu où votre destinée va basculer. Alors le vent et les nuages vont me supplanter. Deux individus représentés par ces identités célestes vont prendre le pouvoir. Mais les disciples que j'ai recueillis portent ces noms. Cela voudrait signifier que vent, est et nuages vont me détrôner, c'est bien ça? Vos deux fidèles serviteurs seront les maîtres de votre clan. C'est la volonté céleste. Nul ne peut changer son destin. C'est quoi cette prédiction? Ça ne veut rien dire, j'ai toujours été maître de mon destin. Vous avez cru à certaines prédictions il y a 10 ans. Quand elles sont positives, on y croit. C'est ainsi que réagit l'homme. Il aime qu'on le rassure, en lui prédisant de bonnes choses. Si elles sont mauvaises, il nous traite de charlatans. Je n'ai pas peur du destin. J'ai la puissance et l'argent, je règne ici en maître. Si je dois combattre le ciel, je le ferai et serai le plus fort. Cette épée est magnifique, je suis vraiment content de l'avoir.
Je vais la mettre à l'abri avec les trois autres que j'ai déjà. Il me manque encore le sabre de glace qui doit être caché dans la grotte des nuages. Et il faut que je retrouve aussi celle qu'on appelle l'insurpassable. Rien que cette année, j'ai récupéré l'épée de feu et l'épée sans égale. Je suis vraiment content, car grâce à vous, je renforce ma puissance de jour en jour. Nuage, tu as été très efficace. Je vous remercie, maître. Je te félicite. Père! Tu vois bien que nous sommes occupés. J'étais impatiente de voir Nuage. J'avais peur qu'il soit blessé ou pire. Ce n'est pas le cas. Eh bien, ça me fait plaisir. Alors tu vas pouvoir t'acquitter de la dette que tu as envers moi. Comment? Nuage te doit quelque chose? Eh oui. Vous, père, vous collectionnez les épées. Eh bien, moi, je collectionne les petits cailloux de couleur. Il m'en doit exactement 19. Il me l'avait promis avant de partir. Acquitte-toi de cette dette. Maître! Maître! Nos chers disciples Vendeste et Givre sont de retour. Ils sont dans la cour. Qu'ils viennent ici. Ils n'osent pas, ils préfèrent vous voir dehors. Vous pouvez vous relever. Je ne vous en veux pas d'avoir perdu Bodhisattva. Disons que je mets ça sur le compte de votre inexpérience. Nous sommes désolés, maître. Ce n'est pas si grave, puisque votre frère Nuage a pu le récupérer. De plus, il m'a ramené l'épée sans égale. Permettez-moi de me retirer, seigneur. J'avais oublié que c'est un solitaire qui n'aime pas les honneurs. Bien. Nous devons nous soucier du présent. Il est évident que la mort de Tugu Yifang va vite se savoir. Sabre Preux devrait se manifester dès qu'il sera au courant. Et je vais pouvoir livrer ce duel que j'attends depuis 10 ans. Pour cela, je vais donc m'isoler pour travailler ma force trinitaire. Approchez. Avant de partir pour cette retraite, j'aimerais régler un problème. De mes trois fils spirituels, Vendeste me semble le plus raisonnable. C'est pourquoi je te demande de bien vouloir accepter la main de ma fille. Je fixerai prochainement la date du mariage. Alors, Xiao Tse, le prétendant que je t'ai choisi te convient-il? C'est à vous de décider. Occupe-toi d'elle. Écoutez, maître, c'est beaucoup d'honneur, mais êtes-vous sûr qu'elle est d'accord? Ton père et moi avions déjà prévu cette alliance bien avant votre naissance. Je ne vous avais rien dit jusqu'à présent parce que j'attendais le moment propice pour l'annoncer. Vous vous connaissez depuis votre enfance. Je suis certain que vous ferez un couple idéal, ma fille et toi. Tu peux me faire confiance, mais si tu refusais ma fille, j'aurais de grandes, grandes difficultés à aller me retirer en paix. Je te félicite. Tous mes voeux. Oh, mes oiseaux. Si vous saviez. Je ne sais quoi faire. Le beau vent d'est. Il me plaît bien. Mais Nuage me plaît aussi. Xiao Tse, c'est moi. Xiao Tse, j'aimerais te parler. Mais ce n'est pas interdit comme ce vieux cimetière de sabre, tu peux entrer. Ça ne sera pas long. Je t'écoute. Je me souviens de mon réveil quand tu m'as offert ce bol de thé. Tu as été ma première vision. Mon premier réconfort. D'ailleurs, si mon père ne t'avait pas recueilli, les méchants loups t'auraient mangé.
Oui, c'est vrai. C'est pourquoi j'ai été très gêné quand il m'a fait cette proposition. Parce que pour se marier, les sentiments doivent être partagés entre un homme et une femme. C'est le désir de ton père, mais je ne sais pas si tu partages aussi cette envie. Je ne veux pas accepter si tu n'es pas d'accord. Dit la vérité. Elle n'a pas besoin de la savoir. Une fille se doit d'obéir aux volontés de son père. Tu as l'œil mauvais. Tu avais déjà ce regard quand je t'ai recueilli il y a 10 ans. Si ma décision ne te convient pas, personne ne t'oblige à assister à la fête que je vais organiser. Chevalier Yu, dans toute la région, vous avez la réputation d'être un homme très juste. Je suis venu humblement vous demander de nous aider. Vous êtes très influent, et vous faites beaucoup pour les pauvres paysans que nous sommes. Vous guérissez très souvent nos malades, vous réglez les différends qu'il peut y avoir entre nous. Tous les gens de cette région vous respectent profondément. Cette année, nos récoltes ont été mauvaises. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais le Dominateur nous accable d'impôts de plus en plus importants, alors que nous avons juste de quoi survivre. Nous vous supplions d'intervenir en notre faveur. C'est d'accord. Je vais m'occuper de vous. J'irai voir le Dominateur et je lui parlerai pour qu'il allège vos impôts. Je vous remercie, chevalier. Je vous remercie infiniment. Non, relevez-vous, relevez-vous. Vous pouvez rentrer chez vous. Avec ma fille, nous devons nous rendre au palais. Demain, je lui parlerai. Merci, chevalier. Allez, relevez-vous et rentrez tous chez vous. Rentrons aussi. Ton bras est tout rouge. Comment tu fais ça? Ça revient régulièrement. C'est comme si je m'étais brûlé. La douleur est insoutenable. Je ne sais vraiment pas d'où ça vient. Je peux guérir tous les malades, mais je n'arrive pas à me soigner. Alors, c'est vrai? On va aller voir le clan de l'univers? Oh, c'est génial! Je vais enfin être reçue à la cour et discuter avec les valeureux soldats de sa garde! Calme-toi! Je suis très calme, moi! Bienvenue et merci d'être venu. Excuse-moi, maître Givre. Maître Givre. Veux-tu essayer cette parure? Pourquoi je dois mettre ça? C'est juste pour faire un essai. C'est la parure que Vandest aura pour son mariage. Tu fais la tête, hein? C'est parce que t'aurais aimé te marier à sa place. Mêle-toi de tes affaires. Oh, allez, je vois bien que tu es triste. Tes petits nuages sont tout gris. Pas du tout. Je suis très content. Oh, je te connais, tu sais, comme si je t'avais fait. Oui, je le suis un peu. Mais quand on aime quelqu'un, on veut son bonheur avant tout. Vandest te fera un bon mari, alors je suis très heureux pour elle. Félicitations, cher maître, félicitations! Puisque le Dominateur va marier sa fille, ceux de Woudin, ils ne pouvaient pas rater une occasion pareille. Alors félicitations, futur marié. Il paraît que la mariée est jeune et jolie comme une fleur de printemps. Je ne suis pas le futur, ce n'est pas moi. Tiens! Je suis Chin, le givre de l'univers. Je vous souhaite la bienvenue de la part de mon maître. Alors c'est vous le célèbre givre, maître incontesté du clan de la gelée céleste. L'une des trois bases du Dominateur, le poing, le bras et la jambe. On vous dit très fort, mais dommage que personne d'entre vous n'ait choisi l'épée. Ah, je crois savoir qui vous êtes. Vous êtes le fameux épée Achille. C'est un grand guerrier, ce monsieur. Un grand maître.
C'est génial. Tu as vu comme ils sont beaux, les soldats? Allez-y, c'est bon. Je suis le chevalier Yu de la région des Mille Lacs. Dites à votre maître que je suis là. Je lui ai apporté un présent. Vous avez une invitation? Vous faites une réception en quel honneur? Oh, c'est génial! C'est la première fois que je vais assister à une fête. Qu'est-ce que c'est? Une fête? Un mariage? Un anniversaire? Une naissance? Hé, oh, calme-toi. Il y a tout un tas de gens invités à ce banquet, alors un ou deux de plus, ça ne changera pas grand-chose. Allez, laissez-nous entrer. Je m'en charge. Comment allez-vous, Jester? Est-ce qu'on peut entrer? J'aimerais aller à cette grande fête. Oh, mais quelle puanteur! C'est cette petite fille. Je suis une femme, pas une fille. Oh, c'est encore pire, alors. Ah, non, ce sont les herbes médicinales que j'ai apportées. Ah, ça y est! Eh oui, je vous reconnais. Oui, bien sûr, si vous avez des plantes médicinales, c'est que vous êtes le guérisseur. C'est ça. Donnez, je vais les faire déposer. Emmenez ça au palais. Bien, maître. Venez avec moi, nous allons célébrer un mariage. Et surtout, tiens-toi bien. Laissez-nous. À vos ordres, Seigneur. Qu'est-ce que vous voulez, père? Tu es ravissante. Ah. Ce grand jour me fait penser à ta mère. Tu es aussi jolie qu'elle. Vous êtes très gentil de me dire ça. Ta mère est morte le jour où elle t'a mise au monde. Comme tu le sais, ma fille, depuis j'ai vécu avec d'autres femmes. Mais la seule que j'ai vraiment aimée, c'est ta mère. Et je l'aimerai toujours. Je me suis toujours imaginé que vous aviez un véritable cœur de pierre. Xiao Tse, je vais te dire ce que je désire le plus au monde. Ce n'est ni le pouvoir, ni la richesse, ni d'être le meilleur combattant. Ce qui m'importe avant toute chose, c'est que tu sois heureuse. Et que tu fasses un beau mariage. Père. Je désire le voir. J'ai un compte à régler avec lui. Arrête, Tuguming. Tu n'es pas de taille à nous affronter. Tu ferais mieux de partir tout de suite. Toute ma famille a été tuée. De ma cité, il ne reste plus rien. On nous a même pris l'épée sans égale. Je demande juste qu'on retrouve le coupable. Nous réclamons vengeance! Nous réclamons vengeance! Le moine, en quoi il est concerné? À Shaolin, nous respectons notre prochain. C'est pourquoi j'ai voulu prêter main forte à Tugu, afin qu'il puisse retrouver ses meurtriers. Un massacre aussi horrible ne peut rester impuni. C'est un grand jour pour moi. Aujourd'hui, je marie ma fille. En conséquence, j'aimerais qu'aucun incident ne trouble cette cérémonie. D'autre part, je sais que le clan de l'univers n'a pas la suprématie à Shaolin. Mais je vais vous parler très franchement. J'aimerais, comme vous, que la lumière soit faite sur ce massacre, mais pour l'heure, je marie ma fille. Que celui qui veut troubler cette fête vienne me provoquer en duel. Écoutez, maître. Que vous soyez courroucé est bien normal. Nous reparlerons de tout ça un autre jour. Qu'en pensez-vous? C'est à vous de choisir. Je ne suis pas doué pour les duels. Contre Vendeste, j'ai été minable. Ce n'est pas pour défier le Dominateur. Non, moi, je suis juste venu vous apporter ce message. Dix
10 ans ont passé, notre duel aura lieu le premier jour de l'automne, Sabre Preux. Enfin, j'attendais ce moment depuis si longtemps. Bon, c'est fini, on verra ça plus tard, que la fête continue. Musique, messieurs, écartez-vous, la mariée va arriver. Vraiment de la chance, la mariée. À te comporter comme un garçon, ça ne risque pas de t'arriver. Alors, mes deux petits tourtereaux, je suis certain que les cieux vont bénir ce mariage. C'est vrai, quoi, tu étais déjà son disciple favori. Alors maintenant que tu vas être en plus son gendre, c'est le trône assuré. Vandest, une fois que tu seras marié, tu devras honorer ma fille. Je veux un petit-fils. J'exaucerai vos désirs, maître. Non. Oui, bah, plus tard, plus tard, plus tard. Attendez. Que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qu'il a? Viens avec moi. Nuage, comment oses-tu? Reviens immédiatement, tu m'entends? Je ne viendrai jamais. Pourquoi tu as accepté? Je pensais que tu t'en fichais. Personne ne te touchera à part moi. Je peux être mariée à lui et te voir en cachette. Xiao Tse! Reviens! Jamais. Je vous ai obéi 10 ans. Mais maintenant c'est fini. Xiao Tse viendra avec moi. Vandest, si tu la laisses partir avec Nuage, tu deviendras la risée de tous ceux qui t'entourent. Il faut que tu te battes si tu veux rester digne. Non! Elle m'appartient. Laissez-nous. C'est vrai? Réponds-moi. Je suis désolée. Ne m'en veux pas. Pourtant, tu avais accepté. Tu ne m'aimais pas alors. Mais si... Ils ne peuvent pas comprendre. Ils n'ont jamais vraiment aimé. Ils ne savent pas ce que c'est. Nous sommes unis par le cœur.
Je t'aime. Je t'aime. Et je t'aimerai toujours. Je l'ai tué. Maître ! J'ai tué ma fille, je l'ai tuée. Je viens remercier nos ancêtres. Ma femme Phénicia est enfin enceinte. Notre descendance est assurée. Notre lignée va se perpétuer. Le clan des loups continuera à prospérer. Je serai une mère attentive. J'espère que ce sera un garçon et qu'il vous succédera un jour. Laifu. Surveille notre temple. La boule de vitalité protège mon père. Elle permet de garder intact son corps. Tu seras le gardien de sa dépouille. Bien, maître. Viens là. Assieds-toi. Merci. Que venez-vous faire ici ? Je voudrais vous emprunter la boule de vitalité. La boule ? Non, je ne peux pas. Cette boule appartient à notre famille. Elle protège la dépouille de mon père. Je la veux juste quelque temps. Je vous donnerai tout ce que vous désirez en échange. Désolé. C'est un objet funéraire qui ne peut quitter notre temple. Je sais pourquoi vous la voulez, et je respecte votre grandeur d'âme, mais je ne peux pas vous la prêter. Puisque vous connaissez ses pouvoirs extraordinaires, qu'adviendrait-il de mon père ? Et que diront mes ancêtres quand ils apprendront ça ? Ça vous regarde. Moi, j'ai besoin d'elle. N'insistez pas, c'est inutile. Raccompagnez-le. Je ne voulais pas lui faire de mal. J'étais juste venu pour la boule.
一对，萤火一对对。 Arrêtez-vous! C'est la crypte réservée aux impératrices. Écartez-vous, je vous tue. De ma fille. Personne ne l'emmènera. Comment m'arrêteras-tu? Est-ce que tu veux m'obliger à te prouver que tu as encore beaucoup à apprendre? Tant pis pour toi. Avant que tu meures, je vais te faire une petite démonstration. Ne serait-il pas assez puissant pour me contrer? C'est bien que nous soyons tous les deux. Je vais pouvoir te montrer à quoi ressemble ma force trinitaire. Je vois que tu as encore certaines ressources. Viens, nous allons pouvoir tester l'énergie qui te reste. Ha ha ha.
Rends-moi ma fille. Nuage. Non. Tu dois l'aimer beaucoup. Évanoui ou réveillé, c'est le même délire. Tu n'arrêtes pas une seconde de prononcer son nom. Xiao Tse, viens. Bien. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Rien. Il est brûlant. Je lui faisais de l'air. Je suis allé me renseigner au village pour en savoir plus. C'est le dominateur qui a tué sa fille. Nuage l'a prise dans ses bras et l'a emmenée dans le tombeau des impératrices. C'est là que le dominateur l'a retrouvée. Il paraît qu'ils se sont battus. Aïe. Attention, te brûle pas toi aussi. Je me demande ce qu'il y a derrière cette histoire. En tout cas, c'est bien triste d'en arriver là. Il n'a pas de chance, ce garçon. Il perd la fille qu'il adore et son bras. Si tu le guéris, que va-t-il devenir? Je n'en sais rien, mais que ça te serve de leçon. Quand tu choisiras un mari. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que ça te travaille. Oh, alors ça, c'est étonnant. Je croyais que tu étais un guérisseur qui soignait les gens. Je ne savais pas que tu étais aussi devin. Et comment je trouverai un prétendant? Il n'y a pas un homme à 10 km à la ronde. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? C'est mon bras. Ça me fait de plus en plus souvent maintenant. Mais pourquoi? Mon corps rejette ce bras. Je ne le contrôle plus. C'est comme si ce n'était plus le mien. Écoute, tu vas aller chercher Chicken et Lao Jia, qui m'aident à le couper. Fais vite. J'y vais. Depuis que Nuage est arrivé ici, je sens qu'il s'est passé quelque chose. J'ai l'impression que mon bras n'est plus à moi. J'ai donc pris la décision de lui donner. Dans une vie antérieure, j'ai dû avoir une dette envers lui. Il faut que je m'en acquitte aujourd'hui. Pour vous remettre, il faut manger plus que ça. Vous êtes qui? Ah, mon nom, c'est Chuchu. Ça fait 4 jours que vous êtes totalement inconscient. Mon père vous a soigné avec des herbes médicinales. Vous savez, c'est un guérisseur très doué. Ce bras,
D'où vient-il? Ça, c'est mon idée, en fait. Je vous en ai fait greffer un autre. Il est réveillé? Hein? C'est mon bras. Je vous l'ai offert. Vous savez, on se connaît. On s'était vu au mariage... Chouchou! J'avais une réaction de rejet depuis que vous étiez là. Merci. Oh, mais de rien. C'est normal. La greffe n'est pas vieille. Il ne faut pas forcer. Chouchou, il doit se reposer maintenant. Je vais lui donner à manger. Mais il a ses mains. Ressaisis-toi, Vandeste. Ça va faire 2 mois que tu passes ton temps à boire. Si tu continues, tu vas devenir une véritable loque. Eh bien, je serai une loque. Laissez-moi tranquille. Je voudrais que tu me ramènes ces fameux fruits éveil du sang. Ils se trouvent dans la grotte où ton père est mort. Ça te fera le plus grand bien. Alors, Nuage, est-ce que ça va ce matin? Nuage? C'est l'heure de manger. Vous pensez toujours à elle? Ben, moi, je l'avais vue, votre Dulcinée, le jour de son mariage. Oh, c'est vrai qu'elle était très jolie. Je me souviens qu'elle portait une grande robe rouge sang. Cette fille avait beaucoup de classe. Tu es très psychologue d'aborder ce sujet. Oh ben c'est pour causer, quoi. Moi, je suis de la campagne, vous savez. Je manque peut-être de tact, mais moi, je dis toujours ce que je pense. Je vous remercie de m'avoir recueilli et soigné. Pas de quoi. Vous allez retourner au palais? Évidemment. Je dois me venger. Les histoires de vengeance, ça finit jamais. C'est ma destinée. Je n'y peux rien. Dans ce monde, il existe des gens qui n'ont plus d'amis et plus d'amour. J'en fais partie. J'aime bien être sur tes épaules.
vous avez soif? Vous voulez un peu d'eau? Tenez. Sur les parois. C'est vrai, le pouvoir de ces fruits. D'après le maître, ils accroissent la puissance. Pas nous en vouloir, maître. J'ai mis dans votre eau le poison que nous avions utilisé pour endormir les gens du palais de Sans Égal avant de les massacrer. Adieu, maître. Vous allez rejoindre vos ancêtres. Mais pourquoi avez-vous fait ça? Désolé, maître. Le dominateur nous l'avait ordonné. C'est impossible. Pourquoi? Bah nous, on n'en sait rien. On doit lui ramener votre tête. Le pourquoi, on s'en fiche. Allez.
terrasser l'homme au cœur pur. Rien ne peut terrasser l'homme au cœur pur. Maître, ce n'est que moi. Félicitations, vraiment, je vois que vous pouvez maîtriser des pouvoirs extraordinaires. Oh, vous êtes le plus grand et vous allez le battre. De qui parles-tu, bouffon? Oh, mais de qui vous voulez que je parle? Enfin, de ce sabre preux, voyons, maître, avec vos pouvoirs... Va s'accomplir. Évidemment, j'en suis certain. Enfin, oui. Tu parles sans savoir. Tu ne sais pas ce qui m'attend. L'issue de ce duel est plus qu'incertaine. Mais je suis absolument sûr que vous ne perdrez pas contre lui. Je vous promets que je suis sincère. Sors d'ici. À vos ordres, à vos ordres. Mes respects, maître. Tu es le seul qui me soit resté fidèle. Nous n'avons plus aucune nouvelle de vent d'est et de nuages. Je finis ma préparation pour ce duel. Demain matin, c'est toi qui dirigeras mon armée. Tu veilleras à ce que tous mes soldats soient prêts à intervenir. Maître, j'ai peur d'en être incapable. Ma confiance en toi est totale. Tu es mon fils. Tu vas devoir me succéder s'il arrive à me vaincre. Tu deviendras alors le maître de ce royaume. Toi seul en es digne. Merci, maître. Beaucoup de gens envient notre puissance. Tous ceux qui ne sont pas loyaux doivent être châtiés. Je veux qu'on élimine ce traître de Jester sur le champ. Tu n'aurais pas vu Jester ? Non, 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 maître. Hé, pas si vite. Non, 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 je suis pas un traître, je suis pas un traître. Il te manipule, Givre. Ton père se sert de toi. Ordure. Tu traites mon père de menteur. Alors tu vas mourir. Écoute, ton père a fait évincer Nuages et Vent d'Est. Tous ceux qui lui font de l'ombre disparaissent. Bodhisattva aussi le dérangeait, alors il l'a fait emprisonner. S'il l'a mis en prison, je veux aller le voir. Retire ce déguisement. Oui, maître, je vais aller me changer et on y va.
Mais alors, tout ça était vrai. Faut que j'y arrive, je le dois. Il attend ce duel. Je dois combattre ce tyran. Aller contre sa destinée et son heure a sonné. Que dois-je faire? Celui que l'on nomme le Dominateur sera anéanti et disparaîtra. Le jour béni des dieux où le vent d'est et les nuages s'uniront. Maître, je m'excuse, mais Sabre Preux est arrivé. J'attends ce duel depuis longtemps. Je suis un grand maître en arts martiaux, aux pouvoirs incontestés depuis 10 ans. Mais je veux être certain d'être vraiment le meilleur. Ce duel est la seule solution pour le savoir. Je vois que tu es toujours aussi orgueilleux. Ta soif de pouvoir n'a aucune limite. Je vais t'apprendre l'humilité à la force de l'épée. Tu vas regretter d'avoir organisé ce petit duel. Je t'ai réservé une petite surprise, Sabre Preux. Je viens justement de récupérer une nouvelle épée pour te combattre. L'épée sans égale, ma dernière prise de guerre. Tu vas rester ici.
C'est marrant, on dirait une statue, il ne semble pas vivant. Oh. Pas ça! Attends ici. Tu n'entres pas dans le palais. D'accord. Où est-il? Il est parti? Restez où vous êtes! Pousse-toi, je vais venger ma famille! Vous me vengiez. Vous pouvez le faire. Supprimez ce tyran. Il faut que je te parle. Bodhisattva m'a dit qu'on devait s'unir. Tu m'entends? Mange ce fruit. Il accroît les pouvoirs. Approche, mon fils. Il a perdu, je n'ai plus aucun rival maintenant. Tu vas pouvoir annoncer à tous les clans que je suis le maître incontesté. Est-ce vrai que vous avez tué les parents de Vendeste et de Nuage? Et que vous avez ordonné de faire décapiter Vendeste par vos gardes? Répondez! Si je comprends bien, tu n'as pas éliminé ce traître de Jester. Non, père! Vous êtes un despote! Je ne m'étais guère trompé à ton sujet. Sur les trois prétendants au trône que j'avais, tu es bien le plus naïf. Jamais je n'ai été prétendant au trône! Je n'étais qu'un pion dans votre jeu! Oui, un simple pion. Je ne voulais pas que quelqu'un déjoue ce stratagème. Tu m'as servi comme les autres, j'ai atteint le but que je m'étais fixé, maintenant c'est terminé. Je n'ai rien à devoir à qui que ce soit. Attends, Givre. Où vas-tu? Je quitte votre clan, père. Alors tu veux me quitter, c'est ça? Il faut que tu saches que c'est moi qui décide qui doit entrer ou sortir de mon clan. Givre. Tiens, tiens, vous êtes encore là. Je vous croyais parti retrouver vos ancêtres. Eh bien, non. Vous devez être au courant que je viens de vaincre le meilleur des guerriers très facilement. Personne ne peut lutter contre la force trinitaire. Je suis venu pour venger mes parents. J'espère qu'il vous en reste suffisamment. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu sais, le jour où je t'ai recueilli, je me doutais que tu finirais par le savoir. Ah!
Maître Vandest, ménagez vos forces. Il est très puissant, on ne peut l'affronter ainsi. Vous devez vous unir à votre frère, c'est le seul moyen de le vaincre. Chose que vous avez oubliée, c'est moi qui vous ai tout appris. Je suis votre grand maître et le resterai. Vous ne pouvez rien contre moi. J'ai plus de force que vous deux réunis. Je vous tiens. Vous savez quel est le nom de cet endroit? Le cimetière des sabres. Et bien maintenant, il va devenir le vôtre. Préparez-vous à mourir! Je n'ai pas besoin de vous rappeler que je suis un expert en arts martiaux, mais c'est le maniement d'épée que j'affectionne le plus. Comme c'est drôle. Je croyais que l'union de vos forces devait me vaincre. Alors, Bodhisattva, tes prédictions seraient fausses. Tu vois que j'avais raison, vieux fou, il ne faut croire qu'en soi. Jamais vous n'aurez l'arme fatale. Seul notre sang peut libérer cette épée. Jamais vous ne l'aurez.
Xiaotz. Viens. Où es-tu? Viens me rejoindre. Nous t'attendons. N'aie pas peur. Viens. Dominateur, viens. Ton heure est venue. Non, ne fais pas ça. Qu'est-ce que vous attendez? Achevez-moi. Il nous a élevés. Sabrepreux. Et tous les autres, venez jouer avec moi. Je suis le meilleur. Soyons charitables. Ne faisons pas comme lui. Je suis le meilleur. Le meilleur.到断水还流，港水清洗不去心中悲忧，千结百事痛恨，心坎中逗留，一生不懂内疚，每个眼眸猜不透，人像云荡又荡来，在天难透。 是谁乱无人能明了我忧，能掩盖心里郁结得深，便借长袍袍中是暖暖热暖过的心，因你动情人默忆内何情人去后，从今独奏，是谁乱无人能明了我忧，能掩盖心里郁结得深，便借长袍袍中是暖暖热暖过的心，因你动情人默忆内何情人去后，从今独奏，仇到断水还流，港水清洗不去心中悲忧，千结百事痛恨，心坎中逗留，望天。